Assurer le suivi des vols en temps réel partout dans le monde, c'est l'objectif de l'accord scellé mercredi à l'ONU. Les experts réunis à la conférence mondiale des radiocommunications à Genève ont décidé d'attribuer des fréquences radioélectriques aux satellites qui pourront recevoir des signaux émis par des avions. Cet accord permettra de repérer les appareils partout dans le monde dès 2017, alors qu'aujourd'hui 70% de la surface terrestre ne permet pas cette surveillance. L'accord devra être mis en place par l'Organisation de l'aviation civile internationale. La disparition l'année dernière du vol MH370 de la Malaysian Airlines a incité le secteur aérien à imaginer de nouvelles solutions pour suivre le déplacement des appareils. À ce jour, l'épave de l'avion n'a toujours pas été localisée.